Je trouve qu'il transcrit bien l'essence de la magie. Et
sens de l'enfance, en fait. Je trouve que c'est un petit mélange assez savant de ces deux choses-là. Après, les autres sont aussi magiques et aussi avec des références à l'enfance, mais moi je dirais mon voisin Totoro. Voilà, tu prends pas de risque parce qu'il y en a qui sont un peu compliqués. Pas compliqué, j'ai compris. Tu vois un feu.
Si j'ai une recommandation, oui. Il y a quelque chose qui m'a fortement marqué il n'y a pas très longtemps, c'est Le Comte de Monte Cristo, le film avec Pierre je me souviens plus de l'actrice. Pierre Niney, vous avez visé l'idée, hein. J'ai trouvé ce film super. Enfin, de ce que je peux reconnaître, et des acteurs plus quoi, franchement, c'est un film qui dure 3 heures. Pardon, j'ai cogné la table, mais franchement, j'y allais en me disant, j'avais lu le bouquin, enfin, les deux gros bouquins à l'école. Je me disais, c'est 3 heures, c'est un truc historique. En général, je suis pas fan. Ça devrait être plutôt agréable. Bref, sérieusement, j'ai pas vu passer les 3 heures. Et même à la fin, je regardais ma montre et je disais, ah non, non, ça va bientôt finir. Non, 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 je veux pas que ça finisse et tout. L'histoire, relativement bien retranscrite pour moi, de ce que j'ai en tout cas en souvenir dans le bouquin. J'avoue, je l'ai pas lu avant. On est un peu parti sur un coup de tête pour le voir. Et voilà, donc j'ai vraiment, vraiment adoré. Et si je peux vous le conseiller, je pense qu'il est encore dans les salles. Sorti au mois de mai. Voilà, enfin bon, nickel, moi j'ai adoré. Angélique me demande si je suis maniaque ou bordélique. J'aurais bien fait un sondage sur vous pensez que je suis quoi? Mais là on n'a pas le time. Je suis maniaque, peut-être un peu trop. Du coup, un peu chiante pour les personnes vivant autour de moi. Je m'en excuse. En fait, j'aime que les choses elles soient. J'avais un peu moins de place. Tout pour chaque pièce. Donc bon, j'ai toujours, toujours quand même changé les trucs pour que ça soit propre, que ça soit rangé, que ça soit ordonné, agréable à voir. Peut-être un peu trop épuré. Mais voilà, je me sens bien quand il n'y a pas 10 000 trucs qui traînent sur la table basse devant le canapé. J'aime bien que mon buffet soit rangé avec mes plantes. La déco que j'ai mis, enfin voilà, pas surchargé. J'ai bien ordonné. Alors parfois ça prend un peu du temps ça, parce que tu vois, si je me dis allez là, à chaque saison quand je range mes affaires d'hiver et je sors les affaires d'été ou de printemps, enfin tu vois ce que je veux dire, du coup je fais du tri en même temps et du coup je range tout bien et là du partant du tri quoi, du rangement, ça j'adore aussi faire, de réorganiser quoi, de faire comme si c'était combien?
Je me lasserai de l'ASMR dans tous les sens du terme. Vraiment pas. Voilà, mais on pourrait en parler.
musique des années 80-90, de cette période où Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Oui, bien sûr, un grand oui, Jean Carigno. Cette époque, c'était mon adolescence en fait. Toute une période, comment je dirais, d'insouciance un peu, de sérénité.
Sincère dans ce que tu fais, je pense que ça, je vais dire, ça peut marcher, mais en même temps, moi je décolle pas. Mais en tout cas, pour soi-même, faut le faire par plaisir, par envie de faire plaisir, par envie de donner un petit peu de détente aux gens, d'être bienveillant. Ça se verra à travers tes vidéos. Si tu viens pour créer un tsunami d'ASMR, enfin, genre un buzz, un truc, et comme je disais tout à l'heure, avoir 15 000 vues à ta première vidéo et après toujours 15 000 vues, enfin, moi je trouve que c'est trop bizarre. Tu peux pas avoir toujours 15 000 personnes qui regardent toute ta vidéo. Bon, bref, c'est vraiment un autre sujet, mais en tout cas voilà, fais-le avec sincérité, avec même les moyens du bord. Tu sais, aujourd'hui moi j'ai un téléphone, un micro, mais les premières vidéos que j'ai faites, il n'y avait pas de micro, c'est moins qualitatif. Mais
J'ai discuté.